La civilisation du léger, c'est une civilisation nouvelle. Avant 1950, elle est peu développée. Et depuis, dans tous les domaines, on voit se multiplier les innovations, les révolutions qui visent à produire un monde moins lourd, tant au niveau des objets qu'au niveau du corps, qu'au niveau de la culture. Les technologies ont permis de créer un environnement d'objets, de monde, qui réclame de moins en moins de matière, qui occupe de moins en moins de place. Et c'est hyperbolique. Dans ce livre, qui me paraît important, il y a plusieurs choses, mais enfin, un, c'est que le nouveau pouvoir, ce sera de pouvoir sur les éléments, d'alléger le monde, que ce soit la frivolité ou que ce soit les éléments matériels. La vraie puissance, elle est dans la domination du microscopique. Deuxième chose à retenir, c'est les paradoxes. Le monde, il est léger et frivole, mais le dedans des individus ne l'est pas. La civilisation du léger, elle appelle une civilisation de la formation. Ça ne crée pas une civilisation, disons, qui est conforme à nos idéaux humanistes.